faites tous du bruit en même temps. Pourquoi tu t'es mis dans l'entrée en même temps? T'avais pas... Parce qu'il me faut de la lumière. Moi, je suis venu là. J'ai été conseillé par un ami qui m'a accompagné pour venir dans ce spectacle. Moi, je suis pas du tout, habitué à ce genre de représentation. C'est un concept intéressant, sans parler du contenu du spectacle. On a déjà l'impression d'être acteur en gambadant entre chaque stand, on peut dire. Alors moi, j'ai trouvé déjà que c'était très surprenant. Et c'est vrai que je vais à la CB voir des spectacles depuis très longtemps. Et je le disais à ma soeur il y a pas longtemps, il y avait un peu une lassitude de voir un peu toujours les mêmes choses. J'ai bien aimé le principe du spectacle immersif et je trouvais que la prestation des différents comédiens était assez bluffante, assez détaillée, documentée, sourcée. Et bah, par curiosité, j'ai voulu voir ce dispositif assez particulier, assez inédit, de voir 14 comédiens quand même, c'est assez important. Raconter des faits, des témoignages différents sur ce procès phare quand même qu'est le procès de Bobigny. L'évocation du statut de la femme et de son rôle de procréation nous a ouvert les esprits parce qu'il y a beaucoup de situations qu'on n'imaginait pas tout en ayant quand même un certain aperçu de ce que les hommes ont vécu, de ce que les femmes ont vécu. Et je dois avouer que ouais, ça a été super intéressant, j'ai découvert beaucoup de choses. On est au plus proche des comédiens qui d'ailleurs sont très bons. On a l'impression qu'ils jouent un rôle, on a l'impression qu'ils nous racontent vraiment quelque chose. Ça peut être un peu déroutant parce qu'on aura envie de leur poser des questions. Et ça m'a vraiment plongé dans un univers totalement différent et ça m'a vraiment beaucoup plu. Le fait qu'on puisse un peu choisir à qui on va avoir affaire. Avec nos amis, on a essayé justement d'aller voir pour l'avortement, contre l'avortement. On n'a pas tout fait, mais on a essayé d'avoir des avis divergents. Et je trouve que pour nous, jeunes, c'est vraiment intéressant de voir comment les acquis sociaux dont nous pouvons jouir ont nécessité beaucoup de luttes. De la part de militants, de la part de professionnels du droit, de professionnels universitaires, de savoir que ce n'était pas quelque chose d'acquis à l'époque. Et je trouve que c'est bien de nous faire plonger dans les réalités d'époque. Et voilà, j'ai aimé l'aspect totalement immersif, avec les casques sur les oreilles. Voilà, on est un peu en intimité avec le comédien et essayer de reconstituer ce puzzle assez complexe quand même de l'affaire, ça m'a beaucoup plu. Néanmoins, le rôle de la maternité reste le même, qu'elle soit voulue ou imposée par les événements de la vie.